pense que les jeunes n'ont pas beaucoup de place dans notre société, qu'ils sont stigmatisés en général, hein, que ça soit par une peur excessive, genre ils se droguent beaucoup, il y a plein de problèmes, etc. Et puis c'est vrai que bon, ben, même si ça existe, du coup on a tendance à se focaliser, que ça soit pour les protéger ou parce qu'on en a peur. Alors quand on est jeune et en plus de banlieue, c'est vrai que la banlieue est stigmatisée, donc du coup on cumule. C'est ça. Je pense qu'en plus, par exemple, même un garçon cumulera. C'est-à-dire qu'on est jeune garçon de banlieue, ça va être pire que jeune fille de banlieue, où c'est, on est d'origine, je ne sais pas, africaine ou maghrébine, ou on cumule. Jeune, d'origine maghrébine, de banlieue, garçon, si on a 15 ans, c'est pire que si on en a 7. Un enfant de 8 ans, il va être moins stigmatisé, alors dès qu'il rentre à 15, enfin, il y a tout ça. C'est vrai que c'est ça en fait les clichés, c'est plus on cumule, plus c'est important. Et c'est évident bien sûr, mais de toute façon on le sait, ce serait idiot de le nier, c'est évident. Je pense que c'est très difficile pour un jeune garçon de banlieue de faire sa place aujourd'hui. Il doit prouver encore plus que les autres qu'il est quelqu'un de bien, il doit prouver encore plus qu'il est plus honnête que les autres, il doit être plus travailleur que les autres. Voilà, on attend de lui ça. Je pense que c'est difficile. Déjà qu'en plus, je pense qu'effectivement, dans les banlieues, il y a quand même plus de difficultés qu'ailleurs.